Salut tout le monde, très bonne année à tous, tout ça, et surtout bienvenue dans Côté Comics. Alors, sommaire du jour, on va commencer avec Julien, qui va nous parler des actus et des sorties de la semaine. Ensuite, on va rejoindre Thomas pour son J'ai lu pour vous. Et enfin, moi, je vais vous parler d'un super-héros que je n'ai pas encore présenté, attention, suspense, Daredevil. Et on va tout de suite commencer avec Julien. Salut à tous, c'est parti pour de l'actu et des sorties comics. Du lourd côté cinéma, et on débute avec l'annonce de l'actrice choisie pour incarner Wonder Woman dans la suite de Man of Steel, et donc pour la force des choses, la confirmation de la présence de l'Amazon dans le film. Il s'agit de l'actrice israélienne de 28 ans, Gal Gadot, qu'on a pu notamment apercevoir dans la franchise Fast and Furious. Pas beaucoup plus d'infos pour le moment sur son rôle, alors qu'on vous rappelle que ce Man of Steel 2 mettra aussi en scène Batman, sous les traits de l'acteur Ben Affleck. Voilà qui prend de sérieuses allures de Justice League, tout ça sera au cinéma en 2015. Sony n'est pas en reste et a aussi lâché une petite bombe en annonçant l'extension de l'univers de Spider-Man au cinéma avec pas moins de 6 films spin-off en production. On en connaît déjà deux, le premier sera consacré à l'un des vilains préférés des fans, Venom. Il sera réalisé par Alex Kurtzman et écrit par lui-même, accompagné de Roberto Orci et Jeff Pintner. Le deuxième fera encore la part belle au vilain puisqu'il mettra en scène l'équipe des Sinister Six, le célèbre rassemblement des plus grands vilains de l'univers de Spider-Man, qui sera lui scénarisé par Drew Goddard. On rappelle que la bande-annonce de The Amazing Spider-Man 2 est sortie, vous la retrouverez sur notre page Facebook. Le troisième opus, quant à lui, est désormais prévu pour juin 2016. Cinéma toujours avec les X-Men, cette fois qui seront de retour le 21 mai 2014 pour Days of Future Past, et ce ne sera pas la dernière, puisque le réalisateur Bryan Singer a annoncé un nouvel opus pour 2016. Et il a en même temps dévoilé un petit élément du film en citant Apocalypse. Apocalypse est bien sûr l'un des plus grands vilains de la franchise X-Men en comics, qu'on n'a pas encore vu pour le moment au cinéma. Il a notamment été au centre de la grande saga Age of Apocalypse en 1995, et c'est peut-être bien cette histoire qu'on pourrait voir adaptée, comme ils l'ont fait pour Days of Future Past. Plus d'infos pour bientôt, on l'espère. On passe aux comics avec une vague d'annulations chez DC pour le mois de mars 2014. Animal Man tout d'abord tire sa révérence, le titre était très apprécié, mais l'auteur Jeff Lemire déclare qu'il a fait tout ce qu'il avait à faire sur le personnage. On reverra néanmoins Buddy Baker dans un titre Justice League. Batman The Dark Knight et Talon sont eux aussi annulés, ici plutôt pour des raisons de mauvaise vente. Qui dit annulation dit nouveauté, DC a annoncé sa nouvelle série hebdomadaire, The New 52 Futures End. Elle se déroulera 5 ans dans le futur et développera aussi bien le présent que le futur de l'univers des New 52. Elle sera lancée le 3 mai 2014 à l'occasion du Free Comic Book Day. Un nouveau graphic novel aussi que DC garde dans les tiroirs depuis quelques temps, il s'agit de Black Canary et Zatanna Bloodspell. C'est le duo Paul Dini et Joe Quinones qui nous offre cette histoire qui sortira le 21 mai 2014. Du côté de Marvel, annonce d'un nouveau graphic novel également avec X-Men No More Humans par Mike Carey et Salvador La Roca le 7 mai prochain. L'histoire découlera directement des événements du crossover Battle of the Atom qui s'est fini récemment. Toujours chez les mutants, Magneto aura le droit à une nouvelle série solo par Cullen Bunn et Gabriel Walta, alors que Wolverine and the X-Men sera de retour dans une nouvelle version, sous la plume de Jason Latour et les dessins de Mahmoud Azrar. Un petit tour en France pour terminer avec Panini Comics qui annonce déjà la sortie des nouvelles séries Marvel Now en librairie. C'est un changement éditorial assez important puisqu'il fallait avant attendre quelques années pour que les séries des kiosques soient transférées en librairie. Vous retrouverez ainsi les tomes 1 des 4 séries Uncanny Avengers, All New X-Men, Captain America et Superior Spider-Man dès le 26 mars. Et on continue avec les comics tout de suite pour les sorties de début janvier. Une fois n'est pas coutume, le Silver Surfer est à l'honneur. Panini Comics réédite en effet le superbe récit Silver Surfer Requiem de J. Michael Straczynski et Ethan Ribich. Il s'agit de la toute dernière aventure du héros de Galactus qui est condamné et va parcourir le cosmos pour régler ses affaires avant de disparaître à tout jamais. L'un des récits références du personnage en librairie le 8 janvier. Marvel toujours avec les Avengers cette fois et la réédition en format deluxe du 4e volume de la série lors de sa relance en 2010 pour l'Heroic Age. On retrouvera Brian Michael Bendis au scénario et John Romita Jr. au dessin pour deux arcs de 6 numéros qui emmènent d'abord l'équipe des Avengers dans le futur avec Kang Conquérant et qui vont ensuite le retour du Gant de l'Infini. Du bon gros blockbuster comme on l'aime, sorti là aussi prévu le 8 janvier. Urban Comics vous propose d'anciens travaux sur Batman par le duo qui a signé à l'an Halloween, Jeff Lubb et Tim Sale avec Batman des ombres dans la nuit. Cette jolie édition réunit deux mini-séries, la première est un spécial Halloween en 3 numéros, qui voit le chevalier noir confronté aux fantômes de Noël, au chapelier fou et à l'épouvantail. La deuxième est consacrée à la plus féline des vilaines de l'univers de Batman avec Catwoman à Rome.
de très bons récits que les fans de Batman apprécieront tout particulièrement, sortie prévue le 10 janvier. En bref, on notera aussi la sortie de la deuxième et dernière intégrale de la série Fear Agent de Rick Remender chez Akileos, le tome 3 de Wonder Woman par Brian Azzarello et Cliff Chiang, le tome 3 également pour les Deluxe Invincible Iron Man de Matt Fraction et Salvador La Roca, le nouveau volume de la gamme Season 1 consacré cette fois aux Avengers par Peter David, ou encore la nouvelle mini-série Oz par Eric Schanauer et le toujours excellent Scotty Young. C'est tout pour l'actu et les sorties comics, alors n'oubliez pas de lire vos comics et portez-vous bien jusqu'à la prochaine fois. Et n'oubliez pas, c'est toi que je t'aime. Vachement beaucoup! Pour cette première de l'année, j'ai décidé de vous présenter un poids lourd du comics. J'ai nommé Sin City de Frank Miller, paru chez Rackham. Dans Sin City, en fait, on va suivre pas mal d'histoires qui sont dans la pure veine du polar hard-boiled. C'est des histoires assez sombres. Dans le premier volume, la première histoire, donc, on va suivre Marv, qui est un espèce de privé, qui va se réveiller un matin avec une femme morte à côté de lui dans son lit. Cette femme, il l'avait trouvée dans un bar la veille. Et il va donc se mettre à enquêter en fait sur qui était cette fille, pourquoi est-ce qu'elle est morte. C'est bien sûr connu du plus grand monde grâce au film qui en a été tiré. Le film est vraiment pas mal. Pour ceux qui l'ont apprécié, faut vraiment se précipiter sur le comics parce que c'est l'origine de l'histoire et le comics est vraiment, vraiment énorme. Ceux qui ont vu le film ont été très certainement marqués par l'esthétique assez particulière, assez forte. On peut signaler que le comics, une des particularités justement, c'est que le graphisme est vraiment très très fort, très très puissant. Frank Miller va se servir dans les premiers numéros que de noir et de blanc. Il va avoir son dessin qu'on lui connaît, donc assez brutal, assez direct, qui en fait une lecture vraiment assez particulière et qui nous tape vraiment dans l'œil. Sin City est donc édité depuis pas mal d'années en France. Là, certainement à l'occasion de la sortie du deuxième film en milieu d'année, Rackham les réédite tous petit à petit. Donc là, pour l'instant, Rackham a réédité les deux premiers. Donc c'est vraiment une super édition. Moi, c'est celle que je préfère. C'est en édition cartonnée. Vraiment, il y a un travail de maquette vraiment excellent qui a été fait dessus. Le tome 3 et les suivants vont sortir au fur et à mesure de l'année. Il faut vraiment se précipiter dessus. Daredevil, que l'on pourrait traduire par casse-cou, de son véritable nom Matt Murdock, est l'un des nombreux personnages créés par Stan Lee. Dessiné pour la première fois par Bill Everett en 1964, Matt Murdock est un très bon avocat aveugle qui a décidé de combattre le crime la nuit sous le pseudonyme de Daredevil suite à l'assassinat de son père alors qu'il était encore enfant. Grâce à ses autres sens super développés et notamment à Radar qui remplace ses yeux et une sorte de canne grappin, le super-héros affronte toute une panoplie de super-vilains dont les plus connus sont sans doute le tireur, le gladiateur ou encore le maraudeur masqué. Son ennemi juré est par contre lui très connu puisqu'il s'agit d'un ancien ennemi de Spider-Man qui a été basculé dans l'univers de Daredevil, il s'agit bien sûr de Wilson Fisk, plus connu sous le nom de Kaïd ou Kingpin en anglais. Si vous débutez dans l'univers des super-héros, Daredevil n'est pas forcément le plus connu d'entre eux. Mais par contre, vous l'avez peut-être déjà vu, entre autres, dans le film Daredevil sorti en 2003 avec Ben Affleck dans le rôle titre, mais aussi Jennifer Garner, Colin Farrell ou encore Michael Clarke Duncan. Un film qui est connu pour ne pas être exceptionnel, mais tout de même mieux que le film plus ou moins spin-off Elektra. Par contre, si je peux vous donner un conseil, c'est de regarder la version longue du film, cela change pas mal de choses. Personnellement, avec cette version, je trouve que le film, sans qu'il soit non plus le meilleur long-métrage Marvel, reste assez sympathique. A noter aussi qu'une série TV Daredevil est prévue en 2014. Concernant les comics, on commence avec Marvel, les grandes sagas tome 8, qui nous présente Daredevil Renaissance. C'est un comics indispensable dans l'univers de Murdock, puisqu'on le retrouve en position de faiblesse après que le Kaïd ait appris sa véritable identité. On retrouve donc son ennemi juré qui ne s'attaque plus à Daredevil, mais bien à l'avocat Matt Murdock. Il faut savoir que la collection Marvel, les grandes sagas, a pour but justement de se familiariser avec les différents univers. Autrement dit, bien que les couleurs fassent un peu passé, un peu, on va dire, vieillotte,
Cela reste un excellent choix pour commencer Daredevil. Et vous pouvez commencer également par Daredevil sous l'aile du diable, un comics très intéressant dans lequel une jeune femme confie son bébé considéré comme étant le nouveau Christ au célèbre super-héros. Par contre, pour ceux qui poursuivent l'enfant, il s'agit au contraire du fils du démon. Matt Murdock ne sait plus qui croire, ne sait plus quoi faire et a l'impression d'être manipulé de partout. C'est donc à travers des dessins très efficaces de Quesada que vous retrouverez un pauvre Daredevil martyrisé comme rarement par le scénariste Kevin Smith, qui le conduira une nouvelle fois à affronter l'un de ses plus terribles adversaires, le tireur ou Bullseye en VO. C'est un comics plutôt sympa. On va terminer avec End of Days, qui n'est pas forcément le comics Daredevil par lequel vous avez commencé l'univers, mais pour ceux qui ont déjà quelques bases, c'est vraiment du très bon. Cette histoire raconte tout simplement la mort de Daredevil, mais sa vraie mort, en fait, pas une mort de 30 secondes à la Superman. Autre fait intéressant, sa mort arrive très vite. On se concentre surtout sur tout ce qu'il se passe après. La mort du personnage n'est pas sa finalité, mais plus le contexte du travail de recherche que le journaliste Ben Urich devra effectuer. Le lecteur est notamment tenu en haleine par la dernière chose que dit Daredevil avant de mourir, un seul et unique mot, « Mappon ». De très bons dessins qui nous plongent parfaitement dans Hell's Kitchen et surtout une écriture avec beaucoup de suspense et un dénouement final plutôt simple, mais super efficace. C'est vraiment un comics à avoir. Voilà, fin du tout sûr, n'hésitez pas à vous pencher sur d'autres comics Daredevil comme Season 1, qui est également un très bon point d'entrée. L'émission est terminée, je vous retrouve tout tout vite, et en attendant, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook. On y parle de comics, et pas que. Bonne soirée à tous, des bisous. Salut à tous, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Nous vous proposerons désormais, après chaque numéro de Côté Comics, un épisode du cartoon Superman des années 40. Ce dessin animé devenu très célèbre a été lancé en 1941 par les frères Fleischer, des pionniers de l'animation, qui ont notamment aussi créé le cartoon Popeye le Malin, tut-tut, ou un truc dans le genre. Ce dessin animé est constitué de 17 épisodes de 10 minutes, dans lesquels Superman affronte des menaces diverses et variées, comme des robots géants, des monstres ou de simples voleurs et criminels. Le cartoon est à l'époque diffusé dans les salles de cinéma avant les films et portait une certaine propagande politique durant la période de guerre. On verra notamment par exemple Superman affronter des ennemis japonais à plusieurs reprises. C'est aussi dans ce cartoon que l'on verra Superman voler pour la première fois et purement pour des raisons esthétiques, animer un Superman qui vole passait mieux à l'époque que simplement un Superman qui fait des bons. Il s'agit vraiment d'un dessin animé référence qui aura été un des précurseurs en matière d'histoire un peu plus sombre et sérieuse pour Superman et a notamment beaucoup influencé les deux grands artistes que sont Frank Miller et Bruce Timm. Il a reçu beaucoup de prix et a été élu 33e meilleur cartoon de l'histoire. Le générique reste culte, l'animation a de quoi impressionner pour l'époque, et se replonger dans ce cartoon est une pure dose de bonheur et de nostalgie. D'ailleurs, pour vous dire, hop, je l'ai toujours sur moi, voilà. Et ces cadeaux, on vous l'offre. It's a bird! It's a plane! Oh no, it's Jeff.